Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 35 sur Final Fantasy VII Remake dans la dernière vidéo. On avait atteint le sommet du pilier du secteur 7. Souvenez-vous, hein, on était à l'ascension de cette tour, de ce pilier, pour empêcher la Shinra, tout simplement de le faire exploser pour détruire le secteur 7. On a eu donc un combat avec Reno et Rude qui est venu lui prêter main forte. Un petit peu en deux temps, hein, parce que Rude, à un moment, il était dans son hélicoptère. Après, il a fallu causer des dégâts à son hélicoptère pour qu'il se crache et qu'il vienne se joindre à la fête. Et nous, on était avec donc Barret et Tifa pour se foutre sur la tronche. Voilà, et malheureusement, nous n'avons pas réussi à arrêter les Turcs de faire leur office. Et du coup, voilà, Biggs, Wedge, Jesse ont succombé lors de la chute du pilier. De nombreuses victimes également à déplorer. Et un quartier du Midgard, tout simplement détruit, hein, n'y a pas d'autre mot. Mais voilà, on a eu ensuite Tseng qui s'est adressé à notre groupe. On a pu donc vraiment constater que Iris, hein, était prisonnière de la Shinra. Mais elle a eu le temps de nous dire que Marlène était en sécurité. Donc Marlène ne serait pas morte dans le secteur 7. Donc on va aller... Bon, déjà on va essayer de sortir du coin parce que bon, on va peut-être pas rester dans les débris. Et là, on devrait retourner au... J'arrive pas à y croire. Il est vraiment tombé. Bon, et maintenant ? Putain, par contre, les deux gardes là, ils sont encore en vie, hein. Bon, bah là, il y a tous les... J'ai des amis dans les donjons au secteur 7. La structure est bousillée, d'accord. Mais il doit bien y avoir des survivants. Ah, à mon avis. Pourtant, c'est réel. Il y avait déjà eu un accident comme ça pendant la construction. À mon avis, il n'y a aucun survivant. On va chez Iris, au bidonville du secteur 5. Et Marlène est là-bas, t'es sûr? Ça me paraît logique. Dis-moi qu'elle y est! J'ai besoin d'y croire! Si elle y est pas, je t'en voudrais pas, c'est pas ta faute! Enfin, je serais pas jouasse non plus, hein. Tifa, ça te dit quelque chose, les anciens? J'en ai déjà entendu parler, mais... Il y a des livres de planétologie là-dessus. La première civilisation qui a cultivé la planète, c'est eux. Paraît même qu'ils lui parlent. À la planète. Alors les Turcs s'en prendraient à Aeris à cause de ça? C'est dans mes veines que coule le sang des anciens. Je suis l'héritier légitime de la planète. Tu as échoué une fois de plus. Faut espérer que cela te rendra plus fort. C'est bien ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, ça va. On continue.
Ok, bon. Très très bien. Bon, encore une apparition de Sephiroth. Qui est décidément quand même vachement présent. Hein. Alors, je peux comprendre pourquoi ils l'ont rendu si présent que ça dans le remake. Car vraiment, on n'entendait pratiquement pas parler de lui sur la partie de Midgar. Et donc, nous voici à Wall Market, si vous reconnaissez. On est fermé pour le moment. Indépendant des autres secteurs. Quelle histoire. Donc, et bien, tous ceux qui étaient dans le secteur 7 se sont réfugiés à Wall Market, puisque c'était juste à côté. Ah. Laissons-les passer. Je me demande bien ce qu'ils font là. Il y a des soldats de... Concentre-toi sur Marlène pour l'instant. C'est la priorité. Des soldats de la Shinra. Ah oui, mais par contre, Barrett, lui, il connaît le chemin. Tiens, Andy. As-tu retrouvé ce que tu cherchais? Oui, grâce à toi. Très bien. Fais-y plus attention maintenant. Je dois préparer le spectacle. Ouais. Dans un moment pareil, les gens ont besoin d'avoir le chant et la danse. Si tu le dis. Très très bien. Bon. Allez, on va suivre Barrett. Il a l'air de connaître le chemin. À noter qu'il y avait des passages où qu'on pouvait pas. Qu'on pouvait pas. Comment dire. Qu'on pouvait pas prendre. Et ce que ça serait pas intéressant de les prendre maintenant. À moins que le jeu nous dise non. Ouais. On peut pas. Vous les avez trouvés ? Nos hommes cherchent encore dans les décombres des habitations. Alors, on peut pas, par contre... On ne propose pas que des médicaments. Oui, d'accord. Qu'est-ce que t'as à nous donner, toi ? Tu vends des méga potions. Je vais t'en prendre deux. Voilà. On va reprendre un petit éther. Et puis voilà. Merci. Ça sert bien. Bon allez, on va suivre Barrett. Il faut qu'on aille aider. Mais... Non, ça c'est de là où on vient, donc c'est par ici. Nous devons commencer par mettre en place des refuges. Ah, Madame M. Oh là là, quelle histoire, vraiment. Il y a eu des dégâts ici. Oh, pas grand chose par rapport au bidonville du secteur 7. Un peu de poussière, c'est tout. Je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé. Il va falloir que je mène ma petite enquête. Ok, bah, mène ta petite enquête. C'est vrai que le secteur 7 a été rayé de la carte ? Ah bah, peut-être qu'on va croiser Johnny, non ? Souvenez-vous, Johnny, il voulait aller sauver Tifa, et puis au final, tellement que c'est un loser, voilà. Jessie se trouvait au pilier, hein, il me semble. Oui. Biggs y était aussi. Mais je crois bien qu'ils n'étaient pas en état de marcher. Par contre, Wedge, il était en bas. Ah ouais. Ouais, mais bon, on a vu dans la cinématique que Wedge, malheureusement... Limite, c'était le seul qui pouvait s'en sortir, et puis bah malheureusement, bah... Oh, tain, on est revenu ici. Ah, on est revenu jusque là. Allez, calme-toi. Il n'y a plus rien à craindre. Attends. Il va lui falloir un peu de temps. Ah, la tête du... Ah, c'est bien fait, la tête du chocobo triste. Ou apeuré, ou... Il faut qu'on parte à leur recherche. Il faut les retrouver. Hein ? Je dois absolument les ramener. D'accord. Cloud, si tu pouvais m'accompagner. Oui. Ouais, bon. De toute façon, qui c'est que tu veux aller rechercher? Il n'y a plus rien, il n'y a que des décombres et... Bah, ils sont morts en fait. Hein. Malheureusement... Bon alors, je sais pas si le décor a changé, hein, avec
s'il y a eu plus de ravas, d'autres choses, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez vous trouvez changé, mais moi à première vue je ne pense pas. Ce bruit était vraiment effroyable. C'est bien au secteur 5, hein. Dépêche-toi de m'amener auprès de Marlène. Oui. Donc nous voici. On y est presque. On pourrait pas accélérer un peu là. Nous voici au secteur 5. C'est toi qui nous retarde. Et lui Donville sur lequel s'est écrasé le plateau. Quel dommage pour les rêves. D'ailleurs, je crois bien qu'il y a eu un seul endroit. Il me semble que le plateau du secteur 7 se soit effondré, causant la destruction de la zone. Notez que l'accès aux zones voisines du secteur 7 vient d'être interdit par les autorités. De même, les habitants des secteurs voisins du 7ème sont invités à éviter toute sortie qui ne soit pas nécessaire. Ils sont en mode confinement comme nous en fait. Enfin, on est plus en confinement, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Ah, puis vu qu'on est trois d'ailleurs, tiens, on a le truc de Chadley. Bah, vous savez quoi? On va se taper une sauvegarde là. Et on va tenter les deux sortes de... Comment dirais-je, de combat contre les espères, là. Du coup, on va... Tac-tac-tac-tac... on va faire un truc... on va enlever la glace pour nos amis, là. Foudre. Feu. Donc ça c'est bien, déjà. Ensuite... glace qu'on peut mettre. Ah bah ouais non. Feu. Retirer l'objet à Cloud. Ah d'accord, parce que ça marque même par par truc de soin. Enfin par niveau. Ou il a deux feux. Attends, il a pas deux feux Cloud. C'est bizarre. Toxine, soin. Ou sinon on y va comme ça au final. Parce que foudre, glace, vent, tac-tac, soin, tac-tac. Et de toute façon je crois qu'en feu, j'en avais qu'une au final. Hein. Allez, on va en tester une. Une comme ça. Cloud, j'étais sûr que vous étiez sain et sauf. À nous de créer de nouvelles matérias pour surmonter ces temps difficiles que nous vivons. Ah oui, c'est vrai, on avait également un rapport finalisé avec lui. Très très bien. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter? Maintenant, pas longtemps de doubler le remplissage de la jauge GTB en appuyant sur... Ah ah. Ouais, ça peut être sympa. Garde renforcée. On en a une. Avantage de choc. D'accord. Experté des objets. Ok, ok. Attaque anticipée. Ok. Allez, on va essayer. Très bien. Équipez-vous du simulateur de combat portable, s'il vous plaît. Alors par contre, j'espère que c'est pas seulement Cloud qui doit combattre, mais qu'il y a les trois en fait. Ok, j'ai bien les trois. Et pourquoi c'est toujours Cloud qui a attaqué sans coup de ouf? Oh là là. On sait jamais. Ah, faiblesse contre feu, ça on le sait, mais
n'est pas fini. Allons-y. Grand ça. Ça vous plaît. Ah, elle est en choc. On y va. Ça. C'est pas fini. J'arrive. C'est pas fini. Ah, c'est quand même mieux quand on est trois. Cloud. Quoi? Non. Ah oui. On va invoquer Ifrit quand même. Au travail. Tifa, je veux bien que tu soignes bien Cloud. Choc. Allez, là, si tu le termines pas. Si, là, tu as terminé. Ok, bah voilà. C'est formidable. La materia de Shiva est achevée grâce à vous. Dompteur d'espère. Cette materia d'invocation est pour vous. Prenez-la. Ah, c'est gentil. Le froid sourire de la reine des glaces est parfait pour vous, selon moi. Gardez-la précieusement avec vous jusqu'au jour où la Shinra sera vaincue. Et en plus, on n'a pas perdu de nos... Comment ça s'appelle ? Bah, nos PV, tout ça, c'était restauré directement. Donc c'est plutôt Cloud, cool. Cloud, j'ai établi de nouvelles hypothèses. Oui, d'accord. Mais on va sauvegarder quand même. Et Poussin Chocobo...
Est-ce qu'on n'essaierait pas de changer justement pour mettre avec Shiva? Est-ce que Ro Chocobo? Non. Peut-être que Glace il serait pas friand de ça en fait. Voyons voir. Parce qu'on est d'accord que c'est Ifrit qui l'a. Ok. Barret, Tifa. Tifa, c'est quoi? C'est Ro Chocobo qu'elle a? Poussin Chocobo. Il est capable d'utiliser les 4 éléments de base. Ok. Et Barret, lui, c'est. Attaque physique de vent. On va changer, on va mettre Shiva. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Allez, c'est parti. Très bien. Équipez-vous du simulateur de combat portable, s'il vous plaît. Allez, on passe, hein. Alors, un expert chanoïre recrute un atelier, prend forme de chocobo légendaire sans vous les faire débuter. Légère résistance aux attaques physiques. Mais il a pas de faiblesse particulière. D'accord. Ah. Ah, ok, donc c'est plus un. Quoi? Ah, il se déplace quand même assez. Assez vite, hein. Quoi? Je crois que j'ai bien fait de reprendre des grosses potions là. Ah, par contre il fait rien en ville hein. Ah, il est en choc là, non?
il a pris cher là, non? Ouais, il a pris cher. Par contre, la Tifa, tu t'égares quelque peu là, s'il te plaît. Si je peux me permettre. Ouai. Et les autres ennemis là, ils peuvent pas se... Je t'ai vu. Ah, ça m'a annulé le truc, ok.
Et voilà. Cloud, bravo pour cette victoire. Ce sympathique volatile bat tous les records en matière de taille et de masse. J'espère que cet imposant compagnon sera un allié de poids dans votre combat contre la Shinra. Parfois, la taille compte aussi. Parfait. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Oui. Bah voilà, bah les rapports de combat c'est fait. Ok, pour le moment on est bon. Alors, Ifrit, on l'a gardé. À Barrette, on avait donné Shiva. À Tifa, c'est le poussin chocobo qu'elle a encore. Hein. Mais le gros chocobo, il donne quoi? Attaque physique élémentaire, l'invocation consomme 2 barres d'ATB pleine. Ah. Est-ce qu'il est mieux, lui? Je sais pas. Que le poussin chocobo, je pense. Quoique. Quoique. On va rester comme ça. Évidemment. On sauvegarde, les amis. On sauvegarde et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là ou on continue, les amis? Non, on va s'arrêter là, comme ça la vidéo sera pas trop longue, on va dire. Délai acceptable. Voilà, les espères c'est fait, comme ça, deux nouvelles matériaux d'invocation. C'est pas dégueu, c'est très bien même. Et puis, bah voilà, ça fait un petit peu d'expérience, même si au final on a pratiquement rien gagné. Bah voilà, dans la prochaine vidéo, eh bien on ira chez la mère de Iris et voir si Marlène est bien là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le soutien très important et très apprécié. L'abonnement, le pouce bleu, le commentaire, activez bien les notifications. Et on se donne rendez-vous très bientôt, les amis. Ciao.